Alors, International Alert est une organisation internationale, comme son nom l'indique, qui est présente dans une vingtaine de pays de par le monde et qui a commencé son travail en Tunisie au lendemain de la chute de Ben Ali en 2012. Cette organisation travaille sur les conflits au sens large, armés, conflits sociaux, politiques, ethniques, etc. Et sa mission, son rôle, c'est de à la fois comprendre, elle se propose à la fois de comprendre les origines de ces conflits, c'est leurs mécanismes, et de proposer des solutions, des projets susceptibles de sortir de ces conflits d'une façon pacifique et démocratique, en impliquant notamment les communautés qui sont victimes de ces conflits. Alors, en Tunisie, spécifiquement, on a commencé, comme je disais, à travailler en 2012. Et pour nous, la question centrale, si vous voulez, le conflit central qui structurait l'espace tunisien, était cette question des zones, des territoires de l'intérieur, des zones marginalisées. Et donc, pour nous, la question de la marginalité était une des questions clés qui structurait le conflit, comme d'ailleurs ça s'est imposé à partir de janvier 2010, décembre 2010, janvier 2011. Donc notre mission ici, si vous voulez, notre stratégie, c'est à la fois d'essayer de comprendre et de proposer des lectures, des analyses, des recherches empiriques pour déconstruire les mécanismes de la marginalisation, comprendre les mécanismes de la reproduction de la marginalisation et ses impacts sur la vie des gens, et proposer des projets, donc recherche et action en mesure de mettre en place des dynamiques pour inclure les exclus de la transition démocratique en Tunisie, proposer des dynamiques susceptibles par le bas, hein, de réformer les institutions, de créer, de mettre en place une gouvernance, un autre type de gouvernance, une gouvernance participative et démocratique. Moi, je pense qu'on est dans le même cycle protestataire ouvert par les grandes mobilisations de décembre-janvier 2010-2011. Et un cycle protestataire avec des hauts et des bas, mais on est toujours dans cet essor, hein, et cette imposition des marges, marges au sens des territoires relégués, au sens des territoires qui sont considérés comme au bas de l'échelle sociale, qui sont frappés par les inégalités sociales, les inégalités régionales, en termes d'accès aux ressources, en termes d'accès aux biens publics, santé, transport, etc. Donc ces territoires-là, ces territoires des marges, se sont imposés comme des espaces de protestation depuis fin 2010, et on est toujours dans ce cycle lent protestataire qui se réfère d'ailleurs au mot d'ordre de la révolution. On est toujours dans les mêmes demandes, les mêmes exigences de développement de ces régions-là et de travail. Donc, on l'a vu, on a connu une vague l'année dernière, à partir de janvier 2016, portée par ces mêmes revendications, et on assiste depuis deux mois, un mois et demi, à une nouvelle vague qui est, comme vous l'avez dit, au Kef, dans le sud, à Tataouine, etc. Ce qui est évident, c'est que six ans, justement, après la chute de Ben Ali,
On voit bien, c'est un peu une piqûre de rappel, ces protestations aujourd'hui, que la transition tunisienne a ses failles, elle a ses angles morts, et elle fabrique des exclus. Hein, et ces exclus-là ont repris aujourd'hui la parole pour de nouveau exiger des choses qu'ils avaient exigées par le passé. Et ce qui est clair, c'est que ces zones de l'intérieur qui ont bougé, ces zones, ces marges qui ont bougé en décembre, janvier, sont, la situation économique et sociale dans ces marges n'a pas bougé, ne s'est pas améliorée. Bien au contraire, nous, quand on a fait des enquêtes à Kasserine, à Tataouine, à Médine, à Breitland, Douarich, les gens, les habitants expriment un grand désenchantement, un grand ressentiment par rapport justement aux acteurs plus hauts, aux élites politiques au pouvoir, à l'État, parce que leur situation ne s'est pas améliorée, parce que le chômage est toujours là, parce que le problème du décrochage scolaire est toujours là, parce qu'il n'y a toujours pas de perspective, parce qu'il y a toujours un problème d'accès, comme je disais, aux biens publics, un problème d'accès à la santé, transport, etc., malgré le fait qu'on leur a promis plein de choses à l'occasion des élections, des dernières élections. Donc la situation, de nouveau, le conflit social la question sociale, c'est elle qui a ébranlé le régime de Ben-Ali, elle est toujours là, et elle vient rappeler justement aux élites politiques au pouvoir que rien n'a changé et que notre transition continue en réalité à occulter une question centrale qui est la question de la justice sociale. De toute façon, que ce soit la gestion sécuritaire de la conflictualité sociale ou le fait de miser sur le pourrissement du monde social, on l'a vu, et toutes les dernières années l'ont montré, et c'était le cas sous Ben-Ali également, qu'on ne peut pas gérer la contestation sociale et des revendications légitimes par, que ce soit le mépris ou le sécuritaire. Aujourd'hui, il est urgent de repenser la question de la justice sociale dans le pays. Il est urgent de remettre au centre des préoccupations en Tunisie la question des droits économiques et sociaux, de l'accès à ces droits. Au centre de nos préoccupations, la question de la citoyenneté économique, qui est, comme je disais, un des moteurs de toutes ces mobilisations. Il est important de trouver des solutions, des stratégies de développement qui remettent en cause ce qu'on voit, c'est-à-dire cette tendance lourde de reproduction de la précarité et de la marginalité, cette tendance lourde de chômage structurel qui s'installe, ce désespoir. Il faut répondre à ce désespoir, il faut donner une horizon aux jeunes qui se mobilisent et qui ne demandent rien que de travailler et d'être reconnus et dans leur dignité et dans leur citoyenneté. Alors, les solutions existent, hein, parce que tous ces gens qui se mobilisent proposent des solutions. Quand vous allez dans ces régions, quand vous allez dans un gouvernement comme Kasserine, il y a une société civile locale, il y a des acteurs locaux, il y a des jeunes, il y a des associations qui proposent, et qui proposent centralement une question très importante, l'État. Il y a une demande forte de l'État, il y a une demande forte d'investissement de l'État. Et je pense que justement, il est
central, il est important, il est crucial d'écouter les propositions des gens là-bas en termes de développement, parce que les associations, la société civile locale a des propositions, a des solutions, a des propositions en termes de développement local. Et évidemment, l'autre question parallèle, c'est la mise en place aussi la promotion d'une gouvernance locale participative qui permet aux gens d'être réellement consultés, d'être réellement impliqués dans la prise de décision, d'être réellement une force de proposition et d'avoir réellement le pouvoir de contrôler et de les décideurs et notamment le pouvoir de peser exactement sur les choix et les politiques publiques, économiques et sociales. Vous êtes optimiste à terme que tout ça va aller en s'arrangeant? Écoutez, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense que ce qui est ce qu'on voit quand même, c'est que et c'est ce qui est très positif parce qu'on a tendance à criminaliser ces mouvements sociaux, à ne les voir que comme des menaces de déstabilisation, etc. Je pense que bien au contraire, ce qui est positif, c'est que des Tunisiens, des Tunisiennes, des jeunes, des moins jeunes dans ces régions sont toujours animés par les mêmes revendications de décembre-janvier, sont toujours animés par cette quête d'un bien-être commun, cette quête de développement, de citoyenneté, etc. Et tout ça, c'est très positif dans la Tunisie post-Benali. En fait, dans ces marges, ces régions intérieures, le problème n'est pas un problème de richesse naturelle. Vous prenez un gouvernorat comme le gouvernorat de Jandouba, par exemple, ou le gouvernorat de Kasserine, il y a des richesses, il y a de l'eau, même à Kasserine, il y a de l'eau à Kasserine. Mais il y a un problème de gouvernance de l'eau. À Jandouba, vous avez de l'eau, vous avez la mer, vous avez des richesses naturelles, vous avez des sites archéologiques, etc. Le problème central, c'est un problème de gouvernance de ces richesses, c'est un problème de répartition des richesses et des revenus. Le problème, c'est les politiques et les choix économiques qui ont été arrêtés et qui n'ont pas pensé les questions de développement, qui n'ont pas pensé les questions de chômage, qui ne sont pas poser les questions de développement régional. Donc, il s'agit en réalité de réfléchir et à partir justement de ces préoccupations-là qui remettent au centre de nos préoccupations l'homme, les hommes et les femmes, le citoyen et le droit de ces citoyens justement à l'accès aux ressources et aux biens publics.